Alors euh, bonjour chers élèves. Aujourd'hui euh, dans cette petite vidéo nous allons voir comment créer la médiatrice d'une droite, c'est-à-dire le, trouver le point milieu d'une droite, toujours à l'aide de cercles et dans GeoGebra. Alors tu vois ici euh, j'ai déjà fait le modèle et tu vois que quand je bouge mon point A ou mon point B, la droite, le segment de droite DE est toujours au centre de mes de ma droite. Alors, euh, je vais te montrer comment faire dans GeoGebra. d'abord, moi, je vais faire une nouvelle fenêtre. Toi, tu vas faire un nouveau, euh, un nouveau dessin. Et je choisis toujours Algèbre et Graphique. Et dans mes Graphiques, ici, je vais enlever l'axe, les axes, parce qu'on ne les utilise pas dans ce genre de modèle. Alors, euh, on va toujours se baser sur le livre pour euh, faire euh, ceci. Pour que tu puisses voir le parallèle entre le dessin au compas et dans GeoGebra. Alors, ils nous disent de tracer un segment de droite AB. Alors, je vais aller chercher mon segment de droite AB. Yep. Et voilà, j'ai fait un segment de droite. Alors, ensuite, ils disent ouvre les branches du compas de façon à ce que la longue distance entre les pointes soit supérieure à la moitié de la longueur de AB. Alors, pour nous, pour faire ça, on va. Euh, je n'ai pas besoin de mon point A. Donc, point c, pardon. On va utiliser l'outil cercle et on va utiliser l'outil centre-point. Alors, j'ai simplement ici à cliquer sur mon centre et là, on voit que ça prend. Je vais cliquer un autre point, puis ça ici, c'est plus grand que la, distance, la moitié de la distance de A à B, et voilà, j'ai fait mon premier cercle. Alors, ce que je veux maintenant, c'est créer un deuxième cercle qui va avoir exactement ce rayon. Et pour ce faire, on doit mesurer la distance entre les points A et C. Alors pour faire ça, je vais créer l'outil segment entre deux points. Et je vais venir faire un segment entre A et C. Et là, tu vois, il y a B qui vient d'être créé ici. Et B, le segment B, eh c'est la longueur de, de mon rayon. Alors si tu vois, je bouge le point C, mon point B, lui, bouge aussi. Alors ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va utiliser l'outil centre rayon où là j'ai je, je sélectionne le centre de mon cercle et ensuite j'ai dit la longueur et là au lieu de mettre 3.58, on va mettre la variable parce qu'elle change la variable et on va écrire OK. Alors ma longueur de mon segment c'est B. J'appuie et là j'ai deux cercles qui ont exactement la même grandeur. Et si je bouge mon point C ici, eh bien, euh, oops, je dois sélectionner le bon outil. Tu vas voir que mes cercles grandissent en même temps. Alors, mon segment droite, ici, B, je n'en ai pas de besoin. Alors, je vais simplement le cacher. Je ne vais pas l'effacer parce que j'ai toujours besoin de sa longueur. Mais je peux le cacher dans GeoGebra. Et tu vois, quand je l'ai caché, le petit cercle ici, c'est euh, c'est comme devenu blanc et si j'appuie dessus et eh bien ça me permet de les cacher automatiquement d'accord alors par exemple si je voulais cacher mon premier cercle et eh bien je pourrais juste faire ceci il est toujours là par contre mais euh, il est caché et tout ce qui me reste à faire pour trouver la médiatrice et eh bien c'est de venir faire trouver les points d'intersection entre mes deux cercles et là je vais utiliser l'outil intersection entre deux objets et je vais venir faire ceci pour cela. Et là, je vais me tracer un segment de droite entre deux points, entre D et E. Et là, j'ai la médiatrice, j'ai le point central entre A et B, et bien toujours représenté par ma droite D, e. Alors, et là, si je bouge mon point A, on voit que ma droite DE, mon segment de droite D, e reste toujours au centre. Alors, dans le livre, ils vont un petit peu plus loin. Eh bien, je t'invite à. Ça devrait être relativement simple. Je t'invite à faire la même chose qui est dans le livre. Tu peux même changer les couleurs des différentes droites et ainsi de suite et rendre ça plus joli. Sur ce, eh bien, j'espère que tu as compris et que ça va bien aller pour toi. Alors, bonne chance dans tes aventures.